Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. La bière en moins, il règne une ambiance de retransmission de matchs de foot au QG de l'UMP à Marseille. Des militants sont venus vivre ensemble l'annonce de la candidature de leur champion aux 20h de TF1 hier soir. Il faut dire qu'ils piaffaient d'impatience. C'est un moment fort qui montre qu'il va falloir commencer, qu'il va falloir se mobiliser, qu'il va falloir aller tracter, aller coller. Et ça, c'est vraiment bien quand on est jeune. Donc on va y aller à fond. Et on sait que le président de la République, tout de même, le restera jusqu'en mai, jusqu'à la fin de son mandat. On en avait marre aussi, quelque part, d'entendre la gauche qui te dit en permanence, ça y est, il est devant, il va gagner. Chaque chose a son temps. Et moi, je connais le président de la République. Quand il part en campagne, c'est pas de la rigolade, croyez-moi. Il va mettre ce qu'il faut, mais moi, je le vois gagnant. Le fait de vouloir retourner vers la France populaire, vers la France active, je pense que c'est tout ce que tout le monde, tous les Français veulent. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je trouve qu'il a une vraie sincérité et un vrai naturel. Et moi, c'est les gens que j'aime. À peine achevée la déclaration du candidat président, les militants se séparent. Ils ont déjà du pain sur la planche et se préparent à accueillir comme il se doit leur héros dimanche à Marseille.